Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Soyez tous les bienvenus à cette étude biblique essentielle et indispensable de ce soir au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit souffle sur tout le monde, sur vous. Il faut dire Saint-Esprit, souffle sur moi. Que cela soit confirmé dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions ce soir pour l'étude biblique. Merci pour tous les ministres. Merci de la façon dont ils nous prêchent. Et merci de comment tu utiliseras l'étude biblique pour ta puissance, pour ta force, pour ta gloire, pour la grandeur de ta personnalité d'être, de faire partie de notre vie. Je prie, Seigneur, que tu souffles sur tout le monde ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous prions que toute faiblesse, que toute crainte, toute timidité soit totalement balayée par la puissance torrentielle du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Et que l'Église du Dieu vivant dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Cette nuit, nous allons considérer les dons de l'Esprit. La possession déterminée des dons spirituels des croyants. Nous étudions de 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 13. Je lis le verset 1. Et puis, nous irons au verset 7, jusqu'au verset 11. 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Verset 9. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit. Verset 10. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ce sont les versets que nous allons examiner ce soir. Le Seigneur a appelé le croyant à posséder les dons de l'Esprit. Donc, l'apôtre Paul a dit, frères, tous les frères corinthiens, jusqu'à ses frères, que je ne veux pas que vous soyez ignorants des dons spirituels. Et tout d'abord, il faut l'illumination et puis notre foi pour aborder Dieu et pour avoir et posséder ce qu'il a promis. Et puis après cette possession vient l'exercice des dons. Ce soir, nous allons voir le message sous trois points. Premier point, la conversion des païens par l'Esprit. Au fait, l'œuvre de conversion est faite par le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit. Nous soulignons maintenant la part de l'Esprit de Dieu dans la conversion des païens, dans la conversion de tous. Deuxième point, la compréhension des dons de l'Esprit. Nous devons comprendre avant de pouvoir demander, avant de pouvoir chercher, avant de pouvoir frapper à la porte de Dieu, avant de pouvoir manifester la foi, devons savoir pourquoi nous manifestons la foi et ce que nous voulons recevoir du Seigneur. Il y a la compréhension des dons de l'Esprit. Numéro 3, la concentration des dons
sans la sanctification. Vous voyez, il y a des gens qui se concentrent sur les dons de l'esprit. Il n'y a rien de mauvais en cela, mais le seul problème est qu'ils mettent de côté la sanctification. Allons au premier point. Premier point, la conversion des païens par l'esprit. Nous allons voir trois points ici. Numéro un, le passé, le présent et puis la spiritualité dominante. Première partie, la dépravation passée des païens corrompus. Numéro 2, le salut présent à travers la grâce qui convertit. C'est la grâce de Dieu qui vient dans nos vies et qui nous donne cette expérience du salut, l'expérience de transformation, l'expérience de conversion dans le Seigneur. Le salut présent à travers la grâce qui convertit. Numéro 3. Et la 3, ça c'est le Dieu et la domination, le Dieu qui ne peut pas. 3, c'est la spiritualité dominante à travers le Dieu créateur. Le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui viennent, le Dieu qui vient en nous, qui transforme notre esprit et nous accorde la spiritualité. Il y a la puissance, la grâce, le don, la force, l'opération de l'esprit par le Dieu créateur. La spiritualité dominante à travers le Dieu créateur. Première partie ici, la dépravation passée des païens corrompus. On va à 1 Corinthiens 12, 1, 2. 1 Corinthiens 12, 1, 2. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne désire pas, je ne veux pas qu'un frère dans l'église soit ignorant. Verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païen, comprenez, c'est le passé. Vous savez que vous étiez passé, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit, c'est le passé. Ils nous disent ce qu'était leur vie. Ils étaient païens, ils étaient pécheurs comme tout homme sur terre. Ils nous disent ce qu'était leur vie. Et comme ils étaient païens, ils nous disent en Éphésiens 4, verset 17, Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Comme les païens. Comme les païens qui marchent selon leur comportement, leur manière de vivre. Qui marchent selon la vanité de leur pensée. Avant la conversion, l'esprit est vain, l'esprit est sans objectif, l'esprit continue dans la tradition de leurs ancêtres. Et 17 dit, ils ont l'intelligence obscurcie, les païens, les inconvertis, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, l'ignorance de Christ. Ils étaient ignorants de la grâce de Dieu, ils étaient ignorants de la nouvelle vie, ils étaient ignorants de la puissance du Seigneur pour convertir, pour changer à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et 19 dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour dans leur état d'inconversion, dans leur état de dépravation, ils se sont vendus, ils se sont livrés, ils se sont totalement soumis au péché entre les mains du diable pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ils pratiquent, ils font tout ce qui est impur et ils font cela avec cupidité. Ils en étaient passionnés et zélés pour le péché. Alors c'est la vie passée du pécheur, la vie
passée des inconvertis, des païens, la vie passée des impies. Et il nous dit au verset 19, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, toute espèce d'iniquité, toute espèce de mal, toute espèce de péché, ils font cela avec la cupidité. Nous allons au Romains 3, verset 9. Verset 9 dit, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nous aussi sommes-nous plus excellents que les hommes, que les païens, les femmes? Sommes-nous plus excellents que sommes-nous plus excellents que les lettrés, que les cadres? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. C'est la dépravation de tout le monde. Verset 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Juifs ou païens, au cadre ou illettré, quelle que soit la race, religieux ou irréligieux, et idolâtre, ou des personnes raffinées, instruites, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Allons à la deuxième partie, qui est le salut présent à travers la grâce qui convertit. Arrivé au 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3 nous dit ce qui s'est passé aux Corinthiens. Au verset 1, il les a appelés frères. Maintenant, il nous dit au verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Ces gens maintenant, ils sont changés, ils sont transformés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Leur attitude envers Christ est changée, leur parole à Christ est changée, leur relation avec Christ est changée. Et l'apôtre Paul dit que cela est venu et c'était le résultat de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, et c'est le résultat du fait qu'ils se sont repentis de leurs péchés pour se tourner vers le Seigneur en croyant au Seigneur Jésus-Christ, et le changement est survenu, la transformation est survenue. Maintenant, il appelle Jésus, il ne l'appelle plus anathème, mais il appelle Jésus le Seigneur, il appelle Jésus leur sauveur. Et il appelle Jésus, il accepte Jésus, il reçoit Jésus en tant que leur Seigneur et Sauveur qui a transformé leur cœur, leur esprit, leur volonté, leur langage et les paroles et tout ce qu'ils font. Et puis il s'est dit, et que nul ne peut dire, Jésus est le Seigneur. Maintenant, voici des frères. Alors, la grâce de Dieu est entrée dans leur vie. La transformation est survenue dans leur vie. Maintenant, il appelle Jésus Seigneur. Et l'apôtre dit, et si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est pas l'inspiration, pas la transformation du Saint-Esprit. Maintenant, il appelle le Seigneur Jésus. Et voyons, Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, certainement, assurément, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oui, ces Corinthiens sont venus déjà dans le royaume de Dieu, ces pécheurs sont transformés, ils sont sauvés, ils sont transformés, ils sont venus dans le royaume de Dieu. Comment cela s'est-il produit? Voilà le verset 5. Verset 5 dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, oui, né d'eau et d'esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc le pécheur de ses péchés. C'est l'Esprit de Dieu qui attire, qui pousse le pécheur à prier, c'est l'Esprit de Dieu qui rappelle au pécheur les péchés à confesser,
C'est l'Esprit de Dieu qui communique la foi pour le salut au cœur du pécheur. C'est l'Esprit de Dieu qui fait l'œuvre créatrice, l'œuvre gracieuse, l'œuvre de conversion. C'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage au cœur de ce pécheur qu'il est maintenant enfant de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu a un grand rôle et une grande participation à la conversion du pécheur. Si un homme ne naît d'eau et de l'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 8 nous dit, voyons le verset 8 qui dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Voyons ceci, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Allons à la troisième partie ici, nous allons voir la spiritualité dominante à travers le Dieu créateur. Nous allons à 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4. 1 Corinthiens 12 verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Ce verset souligne le rôle du Saint-Esprit. Verset 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Verset parle de l'Esprit. Verset 5 parle du Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Verset 6. Cela nous dit, cela nous parle du Père. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Voyez ce que l'apôtre Paul nous dit par l'inspiration du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit a son rôle. Et le Seigneur Jésus a son rôle. Et Dieu le Père a son rôle. Et l'administration, l'opération et toutes les manifestations, et comme la Trinité vient et se présente et opère ensemble dans la vie du croyant. Donc, alors, la Trinité donne au croyant une spiritualité dominante, la spiritualité dominante à travers le Dieu créateur. Voyons le rôle du Saint-Esprit. Éphésiens 4, Éphésiens 4, Éphésiens 4, verset 3, Éphésiens 4, 3, en vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. L'Esprit vient, alors en nous, on est converti, on est transformé, et c'est lui qui vient intégrer le croyant au corps de Christ. C'est l'Esprit qui aide le croyant à continuer par l'unité de l'Esprit, par le lien de la paix dans le corps de Christ. Voyons Philippiens 2, Philippiens 2, nous lisons le verset 11, Philippiens 2, verset 11, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, on a vu ce que l'Esprit de Dieu fait, comme il intègre, comme il plante et amène le croyant dans le corps de Christ, et il s'unit au corps de Christ. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ maintenant se présente, et on nous dit qu'il est capable, maintenant le pécheur est capable de confesser Jésus-Christ comme son Seigneur. Alors, dans sa vie, Jésus est Seigneur. Dans ses actes, Jésus-Christ est Seigneur. Et dans tout ce qu'il fait, dans toutes les situations, à tout moment, Jésus-Christ est Seigneur. En prière, Jésus est Seigneur. Et Jésus-Christ a le dernier mot dans sa vie. Tout ce qu'il fait, partout où il va, et quelles que soient
la relation qu'ils tissent. Jésus est Seigneur de tout dans sa vie. Et c'est à la gloire de Dieu le Père. Éphésiens 3, Éphésiens chapitre 3, voilà le verset 16. Éphésiens 3, nous lisons le verset 13. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Tant que maintenant on a besoin de la force dans l'homme intérieur, parfois l'homme intérieur peut sembler fatigué, découragé, peureux, timide et défaillant. Et c'est la puissance, la force de Dieu qui vient fortifier le croyant par l'esprit dans l'homme intérieur. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Comme il a vécu à Nazareth, comme il a vécu à Capernaüm, il a vécu dans la plénitude de la puissance du ciel. Maintenant, quand il vit dans notre cœur, quand il vit dans notre cœur, alors il n'enlève pas sa bonté, sa puissance, sa bonté, mais cette bonté demeure en nous parce que Christ demeure en nous. Nous avons la possibilité d'exercer ou bien de manifester toute l'attitude gracieuse, les attributs gracieux qui émanent de lui parce qu'il demeure en nous dans sa plénitude. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, tout comme un arbre est planté et l'arbre s'enracine et le vent souffle, l'arbre reste debout et comme le vent souffle, le sol, la pluie tombe, l'arbre est bien enraciné et nous sommes bien enracinés, fondés, quel que soit le vent, les épreuves qui viennent du monde, nous sommes bien enracinés, fondés et dans l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu continue de se manifester au travers de nous. Verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est merveilleux aux croyants de connaître, de savoir ce que le Saint-Esprit est pour nous, ce que Jésus est pour nous, ce que le Père est pour nous, et la possibilité dans la vie d'un enfant de Dieu que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je prie que le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, souffle sur nous, afin que tous ces attributs, toutes ces possibilités soient les nôtres au nom de Jésus-Christ, soient les vôtres au nom de Jésus-Christ. Nous allons au deuxième point maintenant, la compréhension des dons de l'Esprit. C'est ce que Paul a dit au verset 1. De 1 Corinthiens 12, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Je veux que vous compreniez que vous soyez en mesure de prier définitivement pour les dons et que vous possédiez les dons de l'Esprit. Voyons 1 Corinthiens chapitre 12, nous lisons le verset 7. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation des dons de l'Esprit de Dieu est donnée à chacun, à vous, je dis à vous, à moi et à chacun, à tous. Pour l'utilité commune,
Et cela nous dit ce que sont ces dons-là. Voyons les versets 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Numéro 1. Numéro 2. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Verset 9. Numéro 3. À un autre, la foi par le même esprit. Numéro 4. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. Nous allons maintenant au verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. Numéro 5. À un autre, la prophétie. Numéro 6. À un autre, le discernement des esprits. Numéro 7. À un autre, la diversité des langues. Numéro 800. À un autre, numéro 9, l'interprétation des langues. Comme nous voyons ces 9 dons, oui, nous les classons en 3 parties. Alors, il y a la classification numéro 1, il y a les dons de discernement de l'esprit. Il y a la parole de sagesse, la parole, il y a le discernement de l'esprit, la parole de sagesse, de connaissance et le discernement des esprits pour discerner, savoir. Numéro 1, les dons de discernement de l'esprit. 2, ce sont les dons de puissance ou les dons dynamiques. Quand on parle de dons de dynamique, des dons dynamiques, on parle de dons de puissance qui puissent faire déplacer quelque chose de ce lieu à un autre lieu. Et la foi est dynamique. La foi est la chose qui peut déplacer, transporter une montagne et la jeter dans la mer. Oui. Et il y a le don de guérison sous les dons dynamiques. Et font le don la fait déplacer les infirmités et les maladies du corps. Et il y a aussi le don d'opérer des miracles. Ce sont les dons qui changent des choses. S'il y a un fer sous la mer, alors cela va déplacer le fer là et pour le flotter et le surnager, vous pouvez le prendre par la main. Il y a, on parle les dons dynamiques de la foi. Il y a la foi, la guérison et l'opération des miracles. Il y a trois, il y a les dons de déclaration de l'esprit. Ce sont sont les dons qui déclarent comme prophétie qui déclare la pensée de Dieu, tout comme la diversité de langues, le parler en langue qui révèle des choses profondes, secrètes, des mystères dans une autre langue, l'interprétation de langue, déclarer ce qui a été dit en langue, on déclare cela dans une langue connue. Voyons-les un à un. Numéro 1, c'est le discernement. Ce sont les dons de discernement de l'esprit. Les dons de discernement de l'esprit. Ils sont trois. Numéro 1, il y a la parole de sagesse. 2, la parole de connaissance. 3, le discernement des esprits. Voyons numéro 1 ici. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Lorsque vous avez la connaissance, et vous savez comment appliquer cette connaissance à la bonne manière pour résoudre un problème, pour conseiller, pour illuminer les gens, et pour les faire sortir des ténèbres, de confusion, et vous les amener à la lumière de clarté, vous avez la sagesse. La parole de sagesse. Vous rappelez bien. En 2 Samuel 12, David avait commis le péché. Vous savez que David était roi et Nathan et avait la connaissance. La parole, il avait la connaissance et il ne pourrait pas savoir cela, mais Dieu lui a révélé ça. Et il a dit, Dieu lui a dit, va lui dire qu'il est pécheur. Il n'est pas venu à David pour dire que David, Dieu a dit que je te dise que tu es pécheur. Non, ça c'est une confrontation. Il n'y a pas de sagesse en cela. Il n'y a pas de tact en cela. Donc, il n'y a pas de méthode qui puisse faire sortir la personne de la force du péché. Mais il lui a
a raconté, il lui a narré une parabole. Vous connaissez bien l'histoire de la parabole. David a dit, l'homme là va payer pour cela. Et puis, alors Nathan en déduit pour lui dire que c'est toi l'homme là. Alors cela a apporté la conviction, cela a amené la confession, cela a amené la conversion. C'est la sagesse dont nous parlons. La parole de sagesse. Nous allons à Matthieu 22, verset 15. Matthieu chapitre 22. Voyons le verset 15. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. De surprendre Jésus, le tenter, le captiver, le faire dire quelque chose qu'il ne devait pas dire. Verset 16. Ils les envoyèrent auprès de lui, leurs disciples, avec les Hérodiens, qui dit « Maître ». Ils l'ont appelé maître. Mais ils avaient la parole de sagesse, ils avaient la parole de connaissance, ils connaissaient leur cœur. « Nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Verset 17. « Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Oui ou non? Devons-nous donner ou payer le tribut à César? S'il dit oui, donc il veut que nous soyons sous la servitude, sous la captivité des Romains. Il n'aime pas notre pays. Donc ils vont le diffamer, le publier et à tous les enfants d'Israël. S'il dit non, on ne doit pas payer le tribut à César. On va dire, oh, te voici, te voilà, c'est toi qui es contre, tu es contre César. Et ils vont, ils iront inciter tous les serviteurs de César que cet homme est contre César. Et voilà le verset 18. Et Jésus, connaissant leur méchanceté, c'est la parole de connaissance, répondit, pourquoi me tentez-vous hypocrite? C'est la parole de connaissance. Verset 19. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Le verset 20. Il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. Verset 21. De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ouais, il n'a pas éludé la question, il n'a pas évité cette question, mais il a maintenu la vérité qui est la parole de sagesse. C'est la parole de connaissance. On va à 1 Corinthiens 12, 8. 1 Corinthiens 12, verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Maintenant, ceci n'est pas ce qu'on apprend. On apprend la connaissance. Mais ce n'est pas le type de connaissance. On peut lire un livre à la bibliothèque ou bien aller là-bas pour avoir une connaissance livresque. Cela ne s'agit pas d'ici, de cela. Mais c'est une sagesse, une connaissance qu'on ne peut pas lire, qu'on ne peut apprendre ailleurs. Cela est révélé par l'Esprit de Dieu à un moment donné. Cette connaissance est exigée. Vous rappelez bien Acte 5, 1 au verset 9. Ce qui est arrivé, c'est que Anania et Saphira, secrètement dans leur cœur, alors ils ont, alors de concert, Pierre n'était pas là, qu'ils allaient vendre leur pays, leur parcelle, leur terrain, et qu'ils vont donner une partie à l'église, mais ils vont prétendre comme si c'était tout le montant. Pierre n'était pas là,
Cette connaissance ne peut jamais être lue dans un livre, à une bibliothèque, quelque part, comme Anania est venu et dit que je fais une offrande, il a amené l'argent, puis il a dit que est-ce tout? Anania dit que c'est tout ça. Et puis Pierre lui a dit, mais pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit? Le jugement est venu sur lui, la femme est venue plus tard. Pierre lui a dit, mais dis-moi la vérité, est-ce tout? Et tout comme mon mari a dit, c'est ça, c'est tout. Et le jugement aussi l'a frappé, ça c'est la parole de connaissance. Je sais bien que vous connaissez bien l'histoire de la femme au puits, la femme samaritaine, c'est Jean. Et comme Jésus lui parlait, Jean 4, Jésus lui a dit, va appeler ton mari. Vous rappelez-vous qu'ils ne se sont jamais rencontrés et Jésus ne vivait pas dans leur ville. Il n'y a pas moyen que Jésus connaisse la femme si ce n'est que par la révélation d'en haut. Et puis Jésus, lorsque Jésus a dit à la femme, lorsque la femme a dit que je n'ai pas d'homme, Jésus lui a dit, mais tu as dit la vérité. Oui, parce que tu as plusieurs hommes et celui avec lequel tu es présentement n'est pas ton époux. Finalement, cette révélation de connaissance a amené la femme à la confession que voici le Christ. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas le Christ? La parole de connaissance. Alors, il y a le discernement des esprits. 1 Corinthiens 12, verset 10. 1 Corinthiens 12, verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Lorsque nous parlons d'esprit, il y a un bon esprit, un esprit qui protège. Il y a de mauvais esprits, il y a les démons ou esprits de divination. Ou voyons, et deuxième roi 6. Deuxième roi 6, verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, à mon serviteur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée avait le don de discernement des esprits. Et il voyait ce que son serviteur ne voyait pas. Et verset 17, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Comme les yeux d'Élisée étaient ouverts, et dit, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit, vous allez voir, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Si Élisée n'avait pas ce discernement des esprits, s'il n'avait pas cela, il aurait paniqué, mais il a vu des gardes de corps en char de feu venant du ciel qui l'environnait. Vous vous rappelez bien, en acte 16, une demoiselle qui avait l'esprit de Python, qui accompagnait Paul et Silas. Et elle ne disait rien de mauvais. Elle disait seulement que ces hommes sont des serviteurs de Dieu qui nous montrent la voie du salut. Et elle faisait cela plusieurs jours. Mais Paul savait par l'Esprit de Dieu que ce n'était pas un bon esprit, ce n'était pas un esprit normal, ce n'était pas le Saint-Esprit qui parlait par elle. Et puis il dit que je te commande, sors d'elle et je te donne au nom de Jésus, sors d'elle
et l'esprit était sorti d'elle à l'eux-mêmes. Alors, c'est le discernement des esprits. Ces trois, alors, sont sous la classification des dons de discernement de l'esprit. Allons maintenant à la deuxième classification qui est les dons dynamiques de l'esprit. C'est le don de foi qui est dynamique pour déplacer une montagne, tout comme une dynamite. Il y a le don de guérison qui viendra dans la vie du malade et la maladie, ou quelque soit la description, va disparaître. Comme toute maladie va disparaître de votre vie. Numéro 3, c'est le don d'opérer des miracles. Numéro 1, voir numéro 1 ici. Nous allons voir 1 Corinthiens 12, verset 9. À un autre, la foi, pas le même esprit. Alors, combien la foi est importante. Voyons, Matthieu 17, verset 20. Les disciples sont venus voir Jésus. Que pourquoi n'avons-nous pas pu faire cela? Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, c'est le don de foi. Si vous avez de la foi surnaturelle, si vous avez de la foi qui déplace les montagnes, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Voici la puissance et les possibilités dans le don de foi, et dit, et rien ne vous serait impossible. Je crois que l'Église dira amen. Si vous avez la foi, ce don de foi, rien ne vous sera impossible. Sœur, rien ne vous sera impossible. Frère, rien ne vous sera impossible. C'est le numéro 1 des dons dynamiques. Numéro 2, maintenant, ce sont les dons de guérison. Nous revenons à 1 Corinthiens 12, verset 9. Un autre, la foi, pas le même esprit. Un autre, le don des guérisons, pas le même esprit. Je veux que vous remarquiez les mots, l'expression, à un autre, une seule personne. Le don des guérisons. Les guérisons au pluriel. Il y a le don, il y a plusieurs guérisons. Le don pour guérir l'aveugle, pour guérir le sourd, le don pour guérir une autre personne qui a la triste, pour guérir celui qui est hyper tendu, et il y a le don pour guérir celui qui a l'affliction démoniaque et les infirmités provenant de Satan. Toutes ces guérisons, c'est-à-dire qu'à un autre, vous voyez, le don des guérisons par le même esprit. Et je prie que ce même don soit accordé à chacun par le Seigneur et ce abondamment à l'Église entière au nom de Jésus-Christ. Voilà la manifestation de ce don. On va aux Actes chapitre 3. Voyons le verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Il savait qu'il possédait le don de guérison. Vous allez savoir lorsque vous possédez cela. Vous le saurez lorsque vous possédez cela. Et dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dites-le-moi, lève-toi et marche. Voilà le verset 7, et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Voilà le verset 8, d'un saut,
il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, pas entraînant ses pieds, ses pas, marchant, sautant et louant Dieu. Vous allez louer Dieu. Les gens pour lesquels vous priez vont louer Dieu au nom de Jésus-Christ. Numéro 3, maintenant, c'est l'opération des miracles. On va à 1 Corinthiens 12, verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, le don d'opérer des miracles. Laissez-moi vous rappeler quand c'est dit à un autre, la parole de sagesse, à un autre, la parole de connaissance, à un autre, le don de foi, à un autre, le don de guérison, à un autre, le don d'opérer des miracles. Cela ne veut pas dire que vous devez avoir qu'un seul don et vous n'aurez pas le reste. Non, on a lu d'Élisée. Élisée avait le don de connaissance et où que le roi soit, alors il essayait de faire la guerre au roi d'Israël. Il dirait au roi d'Israël, à tel lieu se trouve le roi d'Assyrie, et la parole de sagesse, il va le dire, ne va pas ici, et il va le prodiguer de conseil avec la puissance de l'Esprit de Dieu et le don de foi. Il a le don de foi et il a ressuscité le mort. Il a le don de guérison même après sa mort, en tant comme un mort a touché ses os, alors la personne est ressuscitée. Alors il a le don de faire de miracles. C'est lui qui a fait surnager et le fer. Et il a dit, et c'est lui qui a dit que demain, voici, le blé sera vendu à tel prix, selon ma parole. Et l'autre assistant du roi dit que si le Seigneur ouvrira les cieux, pareille chose arrivera-t-il. Il dit que tu le verras de tes yeux, mais tu n'y participeras pas. Alors, lorsque vous êtes au Seigneur, quel que soit ce que votre ministère exige et que vous espérez en l'Éternel, le Seigneur vous donnera les dons au nom de Jésus-Christ. Je crois que vous allez donner un amen qui ébranle, secoue toute la terre. Et c'est dit à un autre, le don d'opérer des miracles. On va aux Actes 19, Actes chapitre 19. Acte 19, nous lisons le verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires, pas de simples miracles, mais des miracles extraordinaires, de grands miracles, des miracles spéciaux par les mains de Paul. Verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Et comme le Seigneur a fait cela au jour passé, il le fera aujourd'hui. Ce n'était pas Pierre seul qui avait le don, tous avaient le don, les autres apôtres avaient les dons, Barnabas, Silas, Timothée et les autres avaient leurs dons. Vous aurez vos dons. Mais donc, nous allons à la troisième partie qui est ici, les dons de déclaration de l'Esprit. Les dons déclaratifs, les dons qui déclarent. Numéro 1 ici, c'est la prophétie. Numéro 2, c'est la diversité des langues. Numéro 3, c'est l'interprétation de langues. Première partie ici, c'est la prophétie. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. Voyons 1 Corinthiens 14, verset 3. 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire,
parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Lorsque Josaphat a dit, regardez toutes ces armées, tous ces soldats qui sont contre nous, on ne sait pas quoi faire. Le don de prophétie s'est manifesté que vous n'allez pas lancer une flèche, vous ne ferez rien, mais ce roi retournera à son pays et le Seigneur vous délivrera pour son nom et pour le nom de David. Et cela s'est passé, comme c'est dit. Lorsque Dieu vous donne la parole de prophétie, comme c'est révélé, ce sera accompli au nom de Jésus-Christ. Numéro 2 ici, c'est la diversité de langues. Voyons 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Et on en avait parlé, à un autre la diversité des langues. Oui, de diverses langues, de différentes langues qui sont surnaturellement données. 1 Corinthiens 14, verset 5. 1 Corinthiens 14, verset 5. C'est dit ici que je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Déjà, c'est arrivé au niveau de l'interprétation. Donc, nous avons ces dons qui déclarent. Et quel que soit ce dont on a besoin, dans la promesse de Dieu, dans la provision de Dieu, le Seigneur donnera cela et vous l'accordera comme vous le croyez au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Il dit, Dieu vous le donnera au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant au troisième point. Troisième point maintenant, c'est la concentration des dons. Sans la sanctification, comprenons, il y a la consécration par le pieux pour les dons spirituels. Et comme vous êtes pieux, et vous vous donnez au Seigneur, et vous demandez au Seigneur, comme une personne pieuse, tout ce que vous demandez à utiliser pour la gloire de Dieu, le Seigneur vous l'accordera au nom de Jésus-Christ. Mais il y a l'avertissement. Nous ne devons pas courir après les dons et abandonner la sainteté et la sanctification derrière nous. Pourquoi? Vous savez, Matthieu 7, 21, Matthieu 7, 21. Ceux qui me disaient, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Si Dieu vous donne la parole, le don de guérison, de foi, de langue, de miracle, d'interprétation des langues, vous devez tout faire d'être au centre, de faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Mais si vous vous concentrez sur les dons et vous fuyez la sanctification, mais verset 22 dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ces gens qui disent au Seigneur qu'ils avaient le don de discernement, qu'ils chassaient les démons, ils avaient des dons dynamiques, ils ont fait des miracles,
et ils avaient même les dons de discernement, ils ont prophétisé des dons de déclaration. Mais verset 23 dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. S'ils étaient sauvés, ils ne leur diraient pas que je ne vous ai jamais connu. Si leur nom était écrit dans le livre de vie, dans le livre de vie, ils ne leur diraient pas que je ne vous ai jamais connu. S'ils marchaient dans la justice, par la grâce de Dieu, en tant que nouvelle créature, ils ne diraient pas je ne vous ai jamais connu. S'ils avaient la sanctification sans laquelle personne ne verrait le Seigneur, ils ne diraient pas je ne vous ai jamais connu. Mais il a dit, je ne vous ai jamais connu. D'où venez-vous? Ah, nous faisons nous avons fait des miracles. Nous avons prophétisé, chassé les démons en ton nom. Et que je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi c'est dit au 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, en diverses langues, si je n'ai pas la charité, l'amour de Dieu, l'amour pour mon voisin, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, l'amour de Dieu, aimer Dieu de tout votre corps, de toute votre âme, de toute votre pensée, et faire de chaque acte de votre vie un acte d'amour, si vous n'avez pas cela, c'est dit que je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, l'amour de Dieu, l'amour pour les frères, et je vous ordonne de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé, si cet amour n'est pas là, c'est ce qu'on a, c'est de chasser les démons, c'est de ôter les, de placer la montagne, guérir les malades, et que cela ne me sert de rien. Et on dit, mais est-ce possible? Oui, c'est très possible. Voyons-les un à un. Numéro un, c'est possible d'avoir la sagesse sans la vigilance. Je sais que vous rappelez bien Salomon, il avait la sagesse. Dieu lui a donné la sagesse plus que tous ceux qui vivaient sur terre en son temps. Mais ben, il n'était pas vigilant. La sagesse sans la vigilance. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Je prie que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous garde de la tentation de la chair et du diable au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un là-bas crie Amen. Numéro 2, c'est la connaissance sans se connaître. La connaissance sans se connaître. Il y a des gens qui ont le don de connaissance et ils disent que quelqu'un est là, il y a quelque chose qui se passe ici et là, lève ta main et vont lever la main et vont prier pour eux. Mais ils n'ont pas la connaissance d'eux-mêmes, la connaissance au sujet de leur vie. Alors ils n'ont pas l'examen de soi s'ils sont dans la foi ou pas. Alors là où ils doivent aller, là où ils ne doivent pas aller, ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils ne doivent pas dire. Donc ils n'ont pas la connaissance d'eux-mêmes. Ils connaissent les problèmes, les maladies, ceci et cela. Et alors ils tombent dans des fossés qu'ils devaient éviter s'ils avaient la connaissance d'eux-mêmes. 3. Le discernement sans discipline. Le discernement sans la discipline. Je suis sûr que vous vous rappelez bien Balaam. Balak lui a envoyé ses émissaires qu'il y a des gens qui sont partout dans le pays. Viens les maudire pour moi.
afin qu'il ne soit pas en mesure d'entrer sur mon territoire. Et Dieu lui a dit que oui, attends 7 minutes. Et il est allé prier. Et Dieu lui a dit, Balaam, qui sont ces gens-là? Que ce sont ceux qui sont venus de Balak. Et ils m'appellent à venir maudire certains pour eux. Appeler des Israélites. Dieu a dit, il ne faut pas aller avec eux. Tu ne dois pas les maudire. Ils sont bénis. Il a dit à ces gens, je ne peux pas aller. Dieu a dit que je n'aille pas. Balaam a envoyé d'autres personnes et ils n'avaient pas la discipline. Ils avaient le discernement. Ils savaient que ces gens ne doivent pas être maudits, mais ils sont bénis, mais ils n'avaient pas la discipline. Il est encore allé voir Dieu. Seigneur, ils sont encore venus. Dieu dit, quand tu veux aller, il y a la cupidité, la convoitise dans ton cœur. Tu n'as pas le contrôle de ton esprit, de ton âme sur cette tentation. Vas-y donc. Et étant allé, un ange l'a rencontré sur le chemin avec son épée pour couper une longue histoire. Il était mort sous la colère de Dieu, en désobéissance à Dieu. Il est maintenant à l'autre côté de l'éternité. Il est maintenant en enfer. Il a le discernement sans la discipline. On va à Proverbe 25, Proverbe chapitre 25, voir le verset 28. Proverbe 25, 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. C'est que je vais. Il ne sait pas où s'arrêter, ne sait pas où ralentir, ne sait pas où attendre, ne sait pas où il faut dire non, je ne vais pas faire ceci en ce temps-ci. Et comme Paul est allé à Troas, et l'Esprit de Dieu lui a dit, ne va pas. Il est resté là-bas. Il a attendu. Jusqu'à ce qu'il ait vu un Macédonien lui disant, viens à Macédoine, viens nous aider. Et cet homme-là avait la discipline. Il y a des gens qui ont l'esprit d'atteindre les buts, les objectifs, mais ils n'ont pas la discipline, même avec leur discernement, et ils n'ont pas le don de discipliner leur vie. Puisse Dieu vous aider. Puisse Dieu m'aider. Le numéro 4, on voit les gens qui ont la foi s'enfuient. La foi s'enfuit. Et ils ont le don de foi. Ils peuvent déplacer cette montagne. Ils peuvent briser la porte là. Ils peuvent casser la porte là. Mais le fruit que le Seigneur espère, le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, et la patience ou la longanimité, et la persévérance, la fidélité, la douceur, la bénignité, ils n'ont pas la tempérance, ils n'ont pas cela. Ils ont la foi dynamique. Ils peuvent dire que c'est quitte là-bas et je te commande. Ils savent comment commander, mais ils n'ont pas le fruit de l'esprit. Voyons Jean 15. Verset 2. Tout esprit qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, tout sarment qui est en moi, ils étaient en Christ. Et ils ont la puissance de manifester ceci et cela, mais ils ne portent pas de fruit. Le Père ôtera, le Père les retranchera. Verset 6 dit, si quelqu'un Verset 6, maintenant, Jean 15, 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Je prie que vous ne soyez pas pareil au nom de Jésus-Christ.
Numéro 5, il y a des gens qui ont la guérison sans la sainteté. La guérison sans la sainteté. Ils disent que je suis, que ma spécialité, c'est dans la guérison, toute maladie, toute peste, tout fléau, tout problème. Dès que je mentionne le nom de Jésus, je dis, va-t'en! Alors il doit sortir. Je dis, c'est bon, Christ a guéri les maladies, comment Dieu, le Saint-Esprit, là où un du Saint-Esprit et de force, il allait faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Il avait le don de guérison. Nous aussi, on peut avoir le don de guérison, mais guérir les malades, alors n'amène pas le ministre ou le membre au ciel. Guérir les malades, c'est bon, mais ça n'amène pas la personne qui jouit de la guérison ou qui exerce le don de guérison au ciel. Alors, ceux qui ont la guérison sans la sainteté seront déçus au dernier jour. Voyons ceci. Matthieu 24, 24, Matthieu 24, Matthieu 24, verset 24. Quand il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. On va aux Hébreux, Hébreux 12, 14, rechercher la paix avec tous. Est-ce que vous avez vu des gens qui ont le don de guérison? Ils peuvent manifester la guérison, mais ils n'ont pas la paix avec leurs femmes. Ils peuvent jeûner 7 jours, 14 jours, 21 jours, 40 jours, parce qu'ils veulent cette puissance, ce pouvoir arriver sur le champ. Je veux qu'il y ait ce miracle, mais ils n'ont pas la paix avec leurs voisins. Est-ce que vous voyez des gens? S'il s'agit de commander les démons, chasser les démons, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et seront guéris. Alors ils font cela, mais le seul danger pour eux, c'est qu'ils ont le don de guérison sans la grâce pour la sainteté. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et il y a des gens qui ont les miracles sans la maîtrise de soi. Le miracle sans la maîtrise, ça veut dire qu'ils n'ont pas la maîtrise sur leur langue. Ils n'ont pas la maîtrise sur leur tempérament. Ils n'ont pas la maîtrise sur leur personnalité. Et si quelque chose leur arrive, alors ils vont s'énerver, ils vont commencer à fulminer. Ils ont la puissance pour faire des miracles, ils n'ont pas la maîtrise sur leur propre vie. Mais c'est dit au 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons le pour une couronne incorruptible. 26 dit. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Et puis le verset 27 dit. Mais je traite durement mon corps. Il a la maîtrise, il a la puissance pour faire des miracles, mais il avait aussi la maîtrise. Le danger de damnation et de condamnation, c'est celui-là qui pourchasse, qui poursuivent les miracles sans la maîtrise. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Si je n'avais pas la maîtrise, si je me fâche à moindre chose, si je m'énerve à moindre chose avec un mauvais tempérament à tout moment, si je me donne à des drogues, à des stimulants, je n'ai pas de contrôle et continue d'avoir un ministère de miracle, mais pas de maîtrise, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je prie que vous ne soyez pas rejetés au nom de Jésus-Christ. Numéro 7,
La prophétie sans profil. La prophétie sans profil. Il peut prophétiser à une prière, à une prière, à tout moment, à la cellule. J'ai une parole pour toi, j'ai une prophétie pour toi, mais il n'étudie pas l'écriture, il n'étudie pas l'écriture qui est profitable, qui est utile pour la doctrine, pour la correction. Alors il n'y a pas de correction dans sa vie, c'est seulement la prophétie, la prophétie. Je prie que le Seigneur nous accorde un ministère équilibré et une vie équilibrée au nom de Jésus-Christ. Numéro 8, c'est la diversité de langues sans les langues disciplinées. La diversité de langues sans une langue ou bien sans des langues disciplinées. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des langues et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un récrisonne ou une cymbale qui retentit. Il a une langue qui ne communique pas la miséricorde, la compassion, l'amour, la sympathie. Il ne peut pas parler pour l'homme, montrer l'amour aux gens. Si on parle de parler la langue, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un air qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et c'est dit en Jacques chapitre 3, Jacques 3, verset 5, cela parle de celui-là qui n'a pas la langue domptée ou la langue bridée. De même, Jacques 3, 5, de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même, écoutez bien, étant elle-même enflammée par la gêne. D'aucuns ont l'interprétation sans l'intégrité. Lorsque quelqu'un parle en langue dans leur assemblée, dans leur église, ils sont eux qui vont se lever, que se conduit ainsi dit l'Éternel, et vont donner une interprétation. Mais l'homme, la femme là, n'a pas l'intégrité à la maison. L'intégrité dans la communauté, l'intégrité au lieu de travail, seulement il interprète, mais l'intégrité de vie n'est pas là. Proverbe 11. L'intégrité est très importante. Proverbe 11, verset 3. L'intégrité des hommes doit les diriger. Et ça va, l'intégrité va conduire l'enfant de Dieu à bien se comporter. Un homme se comporte bien envers une femme. La femme se comporte bien avec un homme. Il va se comporter, ou bien elle va se comporter, qu'on sait que en public et en privé, il est intègre. Là où il travaille, dans sa communauté, l'intégrité des hommes droit les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Tout ce qu'il peut faire, c'est d'interpréter ceci. Même certains voient essayer d'interpréter la Bible, interpréter les prophéties de la part de Dieu dans la Bible, et ils peuvent bien interpréter cela. Mais l'interprétation sans l'intégrité. Voyez, Job a gardé son intégrité. Il n'a pas compris, il ne pouvait pas interpréter tout ce qui lui arrivait. Mais là, il dit que, mais toujours est-il que je sais que mon Rédempteur vit. Et au dernier jour, il apparaîtra et je le verrai face à face. Et l'homme là, il n'avait pas l'interprétation de tout ce qui lui arrivait, mais il a gardé son intégrité. Je prie que Dieu nous aide, que tout ce que nous devons avoir de façon équilibrée, que nous l'ayons au nom de Jésus-Christ. Comme vous avez la sagesse,
vous aurez également la vigilance, comme vous avez la connaissance, vous aurez la connaissance de vous-même. Comme vous avez la foi, vous aurez aussi le fruit. Comme vous avez la guérison, vous aurez la sainteté. Comme vous avez les miracles, vous aurez la maturité et la maîtrise. Comme vous avez la prophétie, alors vous aurez ce qui vous profite dans la vie, et dans la famille et dans le ministère au nom de Jésus-Christ. Comme vous avez la diversité de langues, vous aurez la discipline en langue au nom de Jésus-Christ. Comme vous avez le discernement des esprits, vous aurez également la discipline de votre esprit au nom de Jésus-Christ. Comme vous avez l'interprétation, le don d'interpréter les langues, alors l'intégrité sera dans votre vie. Tout ce que Dieu a pourvu pour les dons spirituels, pour la grâce spirituelle, toutes choses combinées de façon équilibrée, le Seigneur déversera tout sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Où est le frère, la sœur dont je parle? Pourquoi ne pas vous lever pour dire « Seigneur, je reçois, Seigneur, je reçois » et prier et que la bonté de Dieu, que la grâce de Dieu, que les dons de Dieu soient répandus sur votre vie, même cette nuit, que le Seigneur le fasse pour vous au nom de Jésus-Christ. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur.